Alors ce matin, on va continuer les aménagements de ce Toyotage dévissant d'un client très sympa, mais qui a un objectif qui est très très précis. Ce véhicule doit rester luxueux, être capable de faire du 4x4, partir loin, faire du désert, un aménagement intérieur pouvant être compatible avec 4 places et un couchage, avec le réservoir d'eau, le frigo, tout ce qu'il faut, les phares, le treuil, le compresseur pour l'air, les cuves, voilà. Donc là, aujourd'hui, on continue l'aménagement. Donc ça se précise, nous avons l'emplacement pour des bouteilles d'eau. Nous avons un coffre de rangement. De l'autre côté, nous avons l'emplacement pour les fauteuils. Voilà, ce sont des critères qui ont été imposés par le client. Au milieu, ce sera au choix des cantines en alu ou des tiroirs. Pour l'instant, c'est pas encore défini. J'attends les plateaux en alu, en aluminium, qui vont venir, les grands plateaux qui vont venir dessus tout couvrir. Et puis, le petit truc, c'est que nous avons une partie ici qui est démontable. Une partie démontable, donc qui vient faire, qui vient agrandir le couchage. Nous avons 1,80 m de couchage. Voilà, le matelas viendra se positionner dessus. Et là, eh ben, nous allons attaquer les fixations du frigo. C'est parti! Les vitres de façon arrière, à préserver l'intimité lors des bivouacs et puis aussi une protection en cas de bruit de glace également. Ça permettra. Bon, c'est l'installation du matelas. Voilà un beau lit d'1,50 m de large par 1,80 m de long.